Bonjour et bienvenue dans le 36e épisode de mon Let's Play sur Skyrim. Alors, dans le précédent épisode, on était allé dans le domaine Lumidor, je crois, ou Luminor, et on avait pénétré dans les égouts, et c'est là où je... Ok. Je suis au niveau vie. Pourquoi j'ai pas l'affichage? Bon, tant pis. On verra ça plus tard. La pierre de l'ombre vous permet de vous rendre invisible et utilisable une fois par jour. Il faudra que je m'occupe de... Ah putain. C'est vrai que je suis un vampire maintenant. Ah tiens. Est-ce que j'ai des trucs... Non, c'est bon, je suis plein. Enfin, je suis vide. Je suis plein de vide. Non, c'est vide, ça. Bon, je suis en mission, mais je prends mon temps. Je prends le temps de... Il y a que du sel là-dedans. Ah, des choux. Ouais, bon, enfin bon, c'est pas beaucoup mieux. Alors, où est-ce que je dois aller? Utiliser établi la meule, c'est quoi ça? Qui c'est qui a tué le poulet? Blanc de poulet, bah ça tombe bien, c'est ce que je préfère. Ah, puis il y a des œufs, ricoté, nid de poule. On va pouvoir se faire un petit poulailler. Ouvrir domaine Luminor. Attendez, faut que je vois où est-ce que je dois aller. Domaine Lumidor, pas Luminor. On va sauvegarder. Normalement, je dois pas le buter, hein. Obtenez la clé du coffre d'Aringot. Ok, alors ça, je sais pas si je l'ai déjà. Attends, c'est quoi? C'est abrégé de la vie d'Uriel Septime 7 par Rufus Hayne. Ok, on prend. Donc j'évite de parler pendant que je feuillette, hein, chercher sacoche d'apothicaire. Bon, on prend tout, hein. J'évite de parler parce que normalement, si vous lisez les trucs, vous allez mettre pause et c'est assez emmerdant. On va prendre ça, hein, de toute façon. Allez, hop, rouleau de papier. Ça, je manque pour une fois, je vais pas prendre. C'est quoi ça là-haut? Chercher placard. Non, mais c'est bon, ça ouvre la même chose. Guéridon. C'est pas ce que j'appelle un guéridon, ça c'est plutôt une table basse. Un guéridon, c'est plutôt rond. Ça, c'est pas un guéridon. Honnêtement, je saurais pas faire à repasser tissu, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Juste chercher à vos sacs. Alors, ah tiens. On prend tout et on va regarder le bouquin. Ah bah apparemment j'ai déjà dû le lire. J'ai déjà dû le lire. Oui, je suis pas sûr, donc je vais quand même le refaire. La Reine Louve, livre 4 par Vauguin Jarte. Je sais pas s'il considère que je l'ai lu en le prenant ou si je l'ai vraiment lu. Alors si je l'ai vraiment lu, enfin si je l'ai feuilleté, je vous prie de m'excuser. Mais je crois que je ferai un épisode lecture quand j'aurai plus de bouquins avec des collections complètes pour pouvoir que vous suiviez correctement. Car lire des bouquins dans le désordre, c'est pas l'idéal. Ah, de l'or. Oh, de d'or. Moi, bah, je suis pas venu pour rien. C'est pas ça son coffre à l'autre là? Pour l'instant, il n'y a personne. Hop.
prendre la bouffe. Hein, comme... Oh, de la tarte aux pommes, impeccable. J'adore les tartes. Ça, moi, les pommes, ça dépend. Il faut qu'elles soient un peu acides. Sinon, c'est pas bon. C'est surtout, contrairement à d'autres tartes, on peut les manger le lendemain ou 2 jours après. Les tartes aux pommes, en général, ça devient presque du carton. Désolé, je vais être obligé de faire une pause. Donc, me revoilà. Voilà. Donc, je suis où là? Oui. Il s'est pas passé longtemps, mais je suis perdu là. Chercher ça que j'ai déjà cherché là-dedans. Ok. Donc, on avance. Non, j'en viens de là. Pousse-toi, la grosse, pousse-toi. Pousse-toi. Putain, mais. Pousse-toi! Bon. Voilà, quand même. Ça, c'est chiant, ça. Ils ont de la bouffe partout, ces cons-là. Mais bon, j'y comprends plus rien. Par où je dois aller? Ah bah, c'est là. Ben non, je l'ai pas visité cette salle-là, sinon j'aurais pris toute la bouffe. Oui, donc je disais à propos des tartes, parce que moi, les tartes, celles que ma mère a toujours fait, et donc celles auxquelles je suis habitué, c'est il y a la pâte et les fruits, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de confiture, il n'y a pas de compote, il n'y a rien. C'est la plus simple expression, et c'est ce que je dois être habitué au goût, c'est ce que je préfère en tout cas. Et donc le problème des pommes, c'est qu'elles se dessèchent assez vite, et le lendemain, bon, bah, c'est un bout de carton. Avec des pommes en carton au-dessus. Et donc c'est pas ma préférée. Mais quand c'est des pommes faites avec des rainettes, là ça va. Quand elles sont mangées le jour même. Les rainettes, elles sont. Ok, donc on va essayer. Non. 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 Oh putain, c'est. J'ai pas vraiment le choix. Non. On va essayer de l'autre côté. Ah, saleté, putain, j'étais au bout là. Ok, impeccable. Oh, l'enfoiré, j'étais au bout, ça pète au dernier moment. Ouais, donc les. Par exemple, les. Mais. Mais je voulais pas sortir, moi. Les. Comment. Ah, puis j'aurais dû mettre mon. Je vais mettre mon équipement de voleur. Ok, bon, là, j'ai pas touché à la. Je n'ai pas touché à la. Comment dire. À la souris, c'est resté tel quel. Ben, on prend tout. On va prendre les choux aussi. Moi, je fais mon marché, hein. Un plat, ok. Merde. J'y arrive pas. Bon, on va monter là-dessus. Non, je vais pas prendre le plat. Voilà. Prendre tomate. Oh bah, je vais prendre tout. Et puis je vais faire du ragoût. Patate. Ah ça, je trouve ça excellent quand même qu'ils aient poussé ce détail jusqu'à là. Ah moi, ça, je m'amuse comme un petit fou à piquer tout ce que je peux. Bon, j'en ai marre de piquer les paniers, mais... Qu'est-ce qu'on a entendu? Un parchemin. Qui c'est qui parle là? Je trouve ça vraiment excellent qu'on puisse tout piquer comme ça. C'est. Potion de vol à la tire. Ok. Bon, il n'y a que de la bouffe ici. Il n'y a même pas de miel alors qu'ils sont réputés au niveau des. Prendre shop. Non, ok. Ils sont réputés au niveau des. J'en suis où? Au niveau du poids, ça va.
Ils sont réputés pour le miel, puisque j'ai brûlé les... J'ai brûlé les... Comment dire? Les ruches. Il n'y a même pas de miel. Bon, j'aimerais bien trouver un moyen d'y accéder quand même. Il y a une porte. Non, il n'y a pas de porte. Ouvrir porte de ciel, j'en veux pas. Déverrouiller porte, apprenti. Voilà. Encore de la bouffe. En tout cas, on va pas crever de faim, hein, grâce à eux. Ok. Prendre lutte. Ouah, non. Prendre hache d'armes. Non, elle est lourde et puis elle vaut pas grand-chose. Préfère prendre la bouffe. Moi, je vais pouvoir me faire des bons petits plats. Enfin, madame va pouvoir me faire des bons petits plats. Pousse-toi, voilà, c'est bon. Bon alors, où est-ce que je... Ah, attendez. Attendez, clairvoyance. Voilà, bah si j'avais pensé plus tôt. J'ai qu'une quête qui est en cours. Vider le coffre, obtenir le coffre. C'est là, donc c'est à l'extérieur. Domaine lumineur, premier étage. Mais comment je vais au premier étage? Moi je veux bien, mais il n'y a pas d'escalier. Ça me dit de ressortir. Alors je dois être dans une dépendance ou quelque chose du genre là. Bon bah tant pis, hein, on ressort. C'est de l'autre côté. Bah il me dit de rentrer maintenant. T'exagères. Mais voilà, il me dit de revenir en arrière. Bon, je n'arrive pas à trouver d'escalier. Putain, je vais être Miro. Vous avez entendu quelque chose? Non, non. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Viens ici, Lydia. Ah, moi c'est des mercenaires, on peut y aller. On n'était pas censé le faire discrètement. Alors, ok. Oh oui, bien joué Lydia. Ah merde, il est pas fini celui-là. Bon, ben au suivant. Je prends rien. J'adore le sang qui gicle après. Oui, je prends rien non plus. Ils ont même pas un sou, c'est des mercenaires, ils ont pas un sou sur eux. Ah, il y a des pièces en bas. Ouais, je suis étonné quand même du sens du détail qu'ils ont eu. Ah putain. Bon, puis j'ai hurlé mon cri de... Ah putain, je peux pas passer. On peut pas virer. Mais je peux passer ni d'un côté ni de l'autre. C'est extraordinaire ça. Pousse-toi, Lydia. Putain. Bon, manifestement, j'étais pas passé par ici. Là, y a rien. Bon, on va sauvegarder. Faudra quand même que je m'occupe du menu de compétences, parce que pour l'instant, j'en ai utilisé aucune. Je vais remettre mon truc de voleur, parce que je dois quand même avoir un petit peu de furtivité avec. Au premier étage, ok, c'est parfait. Mais comment j'ai pu rater tout ça? Je suis un gland? Voilà.
table basse. Il n'y a rien. Ok. C'est là que je vais trouver la clé, je pense. Ah, des choux. Honnêtement, je sais pas comment ils ont pu caser des choux là-dedans. Hein. Alors, ouvrir domaine Lumidor, sous-sol. Et personne. Ah, vous voilà. Tous, regarde. Oh oui, tiens. Voilà, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Ah bon, j'ai bien géré ce combat. Ça va. Ça... Alors, clé de la cave de Lumidor, ok. Où il est l'autre? Oh, ils sont partis pour faire une petite partouze. Enfin, une partouze à deux, non, c'est pas vraiment. Y'a rien à récupérer dans le tonneau. Eh ben. Moi, ce que je vais faire, je vais charger ma bonne Lydia de récupérer du matos. Gantelet de fer. Ouais, ça aussi. Ouais, de toute façon, les sans main, sans armes, je le fais pas trop. C'est pas mon habitude. Tiens, elle va peut-être le mettre, le collier là. La capacité de port augmente de 25%. La bouffe, ok. Oui. Ah, cuvée spéciale, ça vaut cher apparemment. Les choux. Plein de poulet, pain. Carottes. Bon, c'est pas. Moi, je vais garder ça, je le ferai hors caméra. Lingot, panier. Voilà, c'est mieux maintenant. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans les autres? Allez, Lydia. Je suis sur vos talons. D'accord. Oh. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Oui. Tout prendre. D'accord. Mais où tu vas? Je grosse regrette, c'est impossible. Grosse nouille, viens ici, là. D'accord. Viens là. Je regrette, c'est impossible. Bon. Ah. Là. D'accord. Viens ici, voilà, maintenant. D'accord. Non, mais non, viens ici. D'accord. Voilà. D'accord. Mais, grosse nouille. Mais. Je regrette. Mais c'est extraordinaire. Bon, bah tant pis. Hein. Autre chose? Bah oui. Allez hop, on va tout prendre. Je peux pas. Ah merde, non, c'est dans l'autre sens. En douille. Non, mais je vais m'équiper de ça. Ah mais c'est extraordinaire ça. Je lui ai quand même pas demandé, il n'y avait pas un. Mais je casse. Non. Pff, saleté. Non, putain. Pop. Non. Encore un petit peu. Oh, l'enculé! Non, c'est pas juste ça! Mais puis là, je fais au hasard, et puis il me donne tout. Couronne. Ok, donc on prend tout.
Bon, enfin, elle m'en a fait une bonne, là, quand même, Lydia. Par contre, j'ai ouvert, j'ai trouvé une clé. C'est pour où? Allez. Mais j'ai... Ah, je me suis planté. C'est ça que je voulais équiper. Ah bah non, non. Il me garde l'équipement. Il me garde l'arme que j'ai en main. D'accord, il change pas si... S'il n'y a pas... D'accord. Il ne change pas l'équipement. C'est quoi au sol? Lydia, prends le balai. Nettoie. La couleur est un peu étrange. Là, d'où vient ce... Ce... Merde, 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 merde. Vous allez devoir faire mieux que ça. Ah bon, d'accord. Fous, Roda. Ça te va, ça? Et Lydia, putain, mais... Ah, oh, quand même. Voilà. Bon, voilà. Tu demandais mieux? J'en ai déjà des clés, normalement. Je l'avais pas déjà, la clé? Oui, la clé, j'en ai deux. Comme papa. On se rééquipe en voleur. Ah, c'est impeccable, je peux garder le sort en main. Mais qu'est-ce qu'il était... elle était... En plus, elle s'occupait pas du balai alors qu'elle aurait pu. Non. Domaine les égouts. C'est peut-être par là que j'aurais dû rentrer. Du pognon, du pognon, du pognon, du pognon, du pognon. Voilà. Allez, hop. Non, il faut remonter. Voilà. Je vais réessayer avec... De demander à Lydia de bosser un petit peu. Ah bah tiens, je vais lui filer les bouquins. Non, ça je peux pas. Merde, non. Les sacs de farine. Voilà, donc Mistinguette, t'es où? Allez, oh. Mais t'es où, bordel? Est-ce que j'ai eu le... Non, j'ai pas la clé, il faut que j'obtienne la clé avant. Oh, putain, mais quel boulet! Quel boulet! Me dis pas que t'es morte, j'ai sauvegardé. Non, mais... Ah, mais parce que je lui ai dit d'attendre ici tout à l'heure. Nous partons? À vos ordres, Tan. Je suis désolé. Ok, donc... on le fera tout à l'heure, ça. Puisque de toute façon, je vais y revenir. Oh, putain, quel con. Donc on va aller chercher le... La clé... Bon sang, on a des ennuis. Qu'est-ce que c'était que ça? Chut, chut, chut. Ok, donc ils doivent être juste là. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Andouille. Je trouverai le responsable. Et ensuite, qu'est-ce que c'était que ça? Ils sont plusieurs. Ou ils sont trois. Fous, Roda. Ok. Ah,
en a déjà en moins. Ok. Et est-ce qu'on marque, est-ce que ça, c'est plus efficace quand on tape dans le dos? Ça devrait normalement. Et jamais tu le touches? Voilà. Oui. Et. Oui, bon. Je sais pas si on peut être magnanime ou pas. Y a rien. Où est-ce qu'elle est cette putain de clé? Mais ils ont pas un souche sur eux. Putain, ça c'est pas des vrais mercenaires. Ils ont pas un sou sur eux. Non, c'est, je veux la carte, moi. Je veux la carte. Vider le coffre. Facultatif, ok. J'ai oublié un bout de fromage, mais non. Pas normal, ça. Putain, mais je comprends rien, cette baraque. Putain, pousse-toi, voilà. Donc c'est de l'autre côté. Ah, mais non, je peux pas passer par là. Mais oh putain, mais t'es un boulet, Lydia. Ah, mais y a une échelle là-haut, mais quel con, quel abruti. J'y vais comme ça. Allez, hop, j'espère qu'il n'y a personne. J'ai pas envie de défoncer la ringotte là. Hop, du pognon. Encore du pognon, toujours du pognon. Ouais, une chope aussi. Après tout, on a le droit de picoler aussi. Mais non. Qui est là? Et c'est moi qui. C'est tout ce que vous putain, mais faire. Voilà. C'est moi qui te donne un coup, puis. Et puis c'est. Pousse, Froda! Mais t'as pu... Voilà. Merde. Hop. Je voudrais un peu les défoncer au feu. Voilà, bon, il reste plus qu'un petit tas de cendres. Hein. Putain, mais ils ont rien sur eux. De la bouffe. Ils ont rien sur eux, c'est miséreux. Moi, je vais pas prendre les masses, hein. J'en ai déjà plein, des trucs comme ça, donc... Ah, bouquin. C'est quoi ça? Prendre une flûte, ouais. Alors, les mystères de la princesse Talara, première partie par Mera Liquide vaisselle. Eh putain, y en a à lire. Bon, c'est fini, j'ai pas ma journée, moi. Voilà. Alors, bon, bah, puisqu'on est là, on fouille. Hein. On prend rien. Putain, mais est-ce que le tablier de forgeron, ça pourrait pas être utile? On va prendre. Ok, d'accord. Et mais c'est quoi ce... Est-ce qu'on peut pas ouvrir les tiroirs en dessous? Non.
il n'y a pas un sou dans cette baraque, bordel. Il y en a, bon, il y en a qui traînent un peu partout, mais... Vous pouvez augmenter avec votre faim, ok. Séduction vampire à joue. Mais par contre, moi j'aimerais bien savoir comment je me suis transformé en vampire. Et je sais qu'il n'y a rien dedans, mais je peux pas m'empêcher de regarder, hein. Ok. Vide. En plus, là c'est écrit vide. Y'a rien, putain. Alors, où c'est? Facultatif, ok. Et j'arrive pas à voir. Bon, je vais ouvrir cette porte là. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Clé de la cave, clé du coffre. Attendez, je vais voir si je peux lui parler après. Je ne sais même pas. Bon à rien de mercenaire. Je savais que ma veine ou mercère ne me laisserait pas m'en tirer si facilement. Mais je n'avais pas le choix. Je veux juste la clé de votre coffre. Je ne peux pas vous la donner. Si je le faisais, autant me trancher moi-même la gorge. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne le ferai pas? En utilisant la persuasion, alors je me servirai sur votre cadavre. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne le ferai pas? Je ne vous crois pas. Cela ne ressemble pas à vos méthodes. Ok, n'en parlons plus, je l'ouvrirai moi-même. Non, je ne vais pas vous laisser gâcher tous mes efforts. Je veux pas me battre, je veux pas me battre, je veux essayer de lui piquer comme ça. Je ne sais même pas. Bon. Est-ce qu'on peut lui piquer comme ça? Je veux pas. Attends. Peut-être qu'en. Voilà. Mais je veux prendre les. Mais je peux pas prendre. Bon, viens Lydia, on se barre. Par où c'est la sortie? Allez, viens, on se barre. Tu l'as tué? Et merde, il est mort. Ah non, ok. Ah, ok, je l'avais pas récupéré. Ok, on va réessayer. On va réessayer parce que je veux pas le. Bon à rien de mercenaire. Bon, je savais que ma veine ou mercère ne me laisserait je pas. Je veux juste la clé. Je ne peux pas vous la donner. Qu'est-ce que je vous passez? Ok. Je ne vous crois pas. Cela ne ressemble pas à vos méthodes. Ah putain, bon bah je vais le. Je vous attends de pied ferme. Oh bon bah elle l'a bien défoncé. Ok bah tant pis hein. Tu l'auras voulu. Vêtements raffinés, l'arc Dwemer. Je pense qu'il est moins bon que le mien, mais c'est pas grave. Ok, bon, on va prendre la picole. Je vais pouvoir ouvrir un bar si ça continue. Ah, c'est en bois. Ça m'embête de l'avoir tué. Je voulais pas le défoncer, moi. Putain, puis quel bourricot. Et puis, équipe-toi, au moins. Gros coup de bol. Bon, tout ça pour ça. Honnêtement. La statue des reines des abeilles. Je sais pas ce que c'est, mais on prend. Il fallait que je ramène ça? Je sais pas.
Alors, y a rien dans les, comment dire, dans les placards et tout ça. Ah tiens, il y a une... Prendre le bocal à abeille. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais je l'ai pris. Ok, bon, on va ouvrir le coffre. Hein. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Je vais voir ce qu'il y a dedans maintenant. Mais bien sûr. J'arrive pas à me repérer dans cette baraque de merde. Pas de bouquin ici? Non. Hache de bûcheron. Botte de fer, non, ça vaut pas assez cher. Allez hop. On descend. Tiens. Bon, au départ, j'avais pas prévu de faire un épisode aussi long. Putain, quel con. Putain, j'ai pété plein de... Bon, c'est pas pour le prix que ça coûte, les crochets, mais c'est... C'est juste... Ah, puis bon. Brève histoire de l'Empire, première partie par Stronach Toju III, historien impérial. Voilà, quand je veux aller vite... Toujours des trucs qui m'en empêchent. Voilà. Troisième partie, mais... Je suis con, j'ai pas en tête si c'était la troisième partie que j'ai pris avant. Non, je pense que c'était pas le même. Ok, brève histoire de l'Empire. Quatrième partie. Il va m'en manquer. Parce que là, il y en avait trois. Bon, allez, hop. Putain, ils font tout pour m'embêter. Hein. Botte d'enfer, non. Vide. Ok, viens, on se barre. Neymar. Neymar. Bon, je vais encore avoir un mal de chien à me repérer. Ah non, voilà, il faut passer par là. Je crois que c'est par là. Voilà, je commence à me repérer ici. C'est dommage d'être obligé de partir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Non, 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 y a rien, t'en fais pas. On a fait le ménage juste avant. C'est sûr que c'est par là? Bon, on est passé par là, c'est sûr. Ok, ouais, je me disais, putain, allez hop. Voilà, terminé, vider le coffre. Bon bah voilà, je vais mettre un terme à l'épisode, retourner voir Brynolf. Je vais mettre... Attendez, je veux juste voir un truc. C'est quoi cette histoire de d'hiver? Rapporter la reine des abeilles. Ok. À Delvin. Mais il m'avait pas demandé de le faire, mais bon, je l'ai fait. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à mettre des pouces, à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, merci, au revoir.